Peace and blessings, Kusher, Halafia, Akwaba, Akwaba, bienvenue. Welcome to the African Ancestral Manuscript Djeliba channel. Vous êtes sur les ondes de la chaîne du Djeliba africain et du manuscrit africain ancestral. Je vous remercie d'être avec nous. Ramadan Mubarak to all my celebrators of Ramadan. Assalamu alaikum, hetapu. Peace, shalom, and all the greetings of the civilized people. We don't say hella's low because that's a negative spell, which we don't want to dispel. We want to unspell it. So, hetapu, keru nefer. Keru is the evening, nefer is good. Good evening. In the ancient metu neter. Aujourd'hui, on va vous lire un petit peu les paroles des sages africains. Et après ça, on va parler un petit peu de ces paroles. Je vous conseille d'écouter bien ce qu'ils disent parce que des fois il faut utiliser peu de mots pour dire beaucoup de choses. Le premier, et je vais lire un petit peu de livre Origine, la pensée africaine. Donc on va analyser un petit peu cette sagesse-là qui est très profonde et qui parle de nos aïeux et qui parle bien sûr de la compréhension de l'univers qu'on avait et qu'on doit avoir encore. Et qui doit résister au temps et qui doit s'éparpiller avec nos descendants pour qu'ils puissent continuer de travailler sur ce qu'on a commencé. Le premier, l'être 1 se dota de deux yeux, il les ferma. La nuit fut engendrée, il les rouvrit, il en acquit le jour. La nuit s'incarna dans la lune, le jour s'incarna dans le soleil. Le soleil épousa la lune, ils procréèrent le temps temporel divin. C'est la cosmologie des pôles, telle que indiquée par Impatiba. On va parler d'Impatiba un petit peu plus. On va en fait donner sa biographie parce qu'il est actuellement dans notre livre qu'on vous a créé, le livre qui n'arrête pas de continuer de vous émerveiller. Mon livre à moi. The African Ancestral Manuscript. Donc aujourd'hui, comme je vous ai promis, je vais faire un petit peu de travail en français pour nos francophones. On va aller à la deuxième page. On va lire un petit peu de ces dictons, un petit peu de cette pensée profonde, épistémologie africaine, pour que vous ne soyez pas dupes et ne pensez pas que vos ancêtres ne faisaient rien. Ils étaient que des incultes et des barbares. Donc, la pensée Paul. Dans l'univers et à tous les niveaux, tout est vibration. Seules les différences de vitesse de ces vibrations nous empêchent de percevoir les réalités que nous appelons invisibles. Nous appelons ces réalités invisibles parce qu'on ne peut pas les percevoir, mais ils existent quand même, ils existent. Donc il faut être très humble. On ne connaît qu'une petite partie de ce qui se passe sur la Terre. Ce qui est manifeste devant nos yeux. On continue de lire ces dictons, cette sagesse un petit peu pour vous émerveiller, pour vous raviver pendant le Ramadan, pour que vous puissiez faire votre prière et vos méditations sur des pensées profondes, sur l'épistémologie africaine, les façons de connaître africaines et bien sûr la sagesse de nos aïeux. Donc on va continuer. Toute naissance est la renaissance d'un ancêtre. Ça, c'est un dicton africain bien clair. Toute naissance, écoutez bien, est la renaissance d'un ancêtre. On ne part pas, on revient. On va voir dans le domaine des ancêtres, on revient sur le domaine, dans le domaine terrestre. Ça continue à continuer pour l'éternité. Si on connaît que, et on sait bien, dans des études des sciences, de la physique, etc., que l'énergie ne meurt jamais. Il se transforme de forme en forme. Donc, chaque naissance, c'est un ancêtre qui revient. Ça, c'est pourquoi vos enfants, il faut bien les traiter, il faut connaître, il faut savoir que vos enfants, c'est des ancêtres, des vieux esprits qui reviennent sur Terre. Il faut leur procurer avec une expérience dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir. C'est très nécessaire. On continue. On va lire 5 dictons de plus.
Et après ça, on va vous laisser réfléchir et on va vous souhaiter un bon ramadan, une bonne soirée. D'accord. L'homme noir a la conviction de l'existence d'une force puissance, source des existences et matrice des actions et mouvements des êtres. Seulement pour lui, cette force n'est pas en dehors des créatures. Elle est en chaque être. Elle lui donne la vie et veille à son développement. D'accord? Donc, le Ra, le Chi, le Kundalini, le Haché, c'est dans chacun d'être, les êtres. Ça, c'est pourquoi j'ai parlé à une sœur récemment, on ne vénère pas les arbres, on ne prie pas aux ancêtres, on respecte le fait qu'ils sont venus avant nous et leur sagesse, comme on respecte les aînés. On respecte l'énergie qui est dans l'arbre parce qu'on sait que sans les arbres, on n'a pas d'oxygène. Donc, on ne prie pas aux arbres. On respecte l'énergie et avec ce respect, on traite les arbres comme étant des êtres vivants avec beaucoup d'humilité. Et aussi, on les remercie pour être là parce que sinon, on ne serait pas là. C'est la coexistence. C'est la loi divine de Ma'at. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir intrinsèquement. Donc, on va continuer avec la pensée africaine. L'être suprême a accompli sa grande œuvre, la création, en multipliant sa personne sans en perdre rien. Il a animé toutes les choses d'énergie. Une fois encore, Ra, l'ancienne Égypte, ce n'est pas le soleil actuellement. Aton, c'est le disque solaire. Ra, c'est l'énergie solaire dans chacun d'entre nous. On est chacun comme un soleil. Donc, cette énergie dont on parle, qu'on appelle le chi, dans les philosophies orientales, le kundalini, aussi dans les philosophies de l'Inde, etc., du yoga, on appelle ça le haché, dans les philosophies africaines, telles que le yoruba, dans les philosophies de Ifa. Et bien sûr, en ancienne Égypte, on appelait ça Ra, bien sûr, l'énergie vitale. On continue. On va vous donner un petit peu plus de bijoux spirituels pour que vous puissiez aller les cueillir dans votre esprit ce soir. Et pour le restant du mois, je vais continuer de vous donner ces petits bijoux, ces petits diamants spirituels pour vous rassasier spirituellement. D'accord. On continue. Nous allons entreprendre un voyage dans un monde souterrain. Le monde des significations cachées derrière l'apparence des choses. Le monde des symboles où tout est signifiant, où tout parle pour qui sait entendre. Mpateba, enfin, une fois encore. Important. Tout parle pour ceux qui sait entendre. Ça, c'est la spiritualité africaine. Ça, c'est la divination qu'on fait avec les oracles. Les gens qui lisent. Bien sûr, les noix de cola, qui aussi lisent, bien sûr, on peut lire beaucoup de différentes choses si on connaît comment le lire. Chaque chose en elle-même est un message divin. Et si on connaît comment le lire, on peut interpréter qu'est-ce que la divinité essaie de dire quand il y a des actions. Par exemple, si vous avez des noix de cola et que vous faites la divination, vous pouvez les rouler, etc. Et après ça, vous pouvez découvrir qu'est-ce que la divinité veut dire. Les dés même, au commencement, c'était en forme de divination qu'on utilisait avec les dés, bien sûr. Et les coquillages, ça aussi, les coquillages de karri, ça, c'est bien sûr la divination qu'on fait en Afrique depuis la nuit des temps. D'accord, on continue. Ô mon frère, apprends que chaque symbole a un, deux ou plusieurs sens. Ses significations sont diurnes et nocturnes. Les diurnes sont fastes et les nocturnes sont néfastes. C'est plus compliqué, bien sûr, à interpréter les significations des occurrences ou des choses qui se passent nocturnement. Donc, c'est clair. On va faire deux de plus avant de
se mettre en pause et vous laisser réfléchir là-dessus. D'accord. L'univers n'est ni passif ni statique, mais un ensemble dynamique dont l'équilibre tient à l'opposition d'éléments contraires et jumelés. Très important. Positif, négatif. Le mâle et la femelle. Bien sûr, le yin et le yang. Ça, c'est deux opposés, mais si on comprend et on va au-dessus de l'arbre de vie, on comprend que même s'ils paraissent comme étant opposés, ils sont complémentaires. Parce que sans le mâle, on n'a pas la femelle, etc., etc. Sans le jour, on n'a pas la nuit. Sans le positif, on n'a pas le négatif. Sans le yin, on n'a pas le yang. Donc, même si ça paraît comme si ils sont totalement opposés, l'un contre l'autre, les hommes sont de Mars, les femmes sont de Vénus, clac, ils s'interpellent, et s'ils connaissent comment apprivoiser leur état et leur état d'être, ils peuvent s'ajumeler pour créer, en fait, l'équilibre et l'harmonie. C'est quelque chose de très profond, mais très simple, mais très dur en même temps, parce que quand on est balkanisé dans l'état masculin ou féminin, et quand on croit qu'ils sont pas, et c'est pas possible qu'il y ait l'harmonie, donc on va jamais avoir l'harmonie entre les deux forces, qui sont des forces également divines. Donc en Afrique, créateurs et créatrices doivent venir ensemble, un être androgène. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas dire que Dieu, c'est un mec et pas déesse, c'est une femme. Et on ne peut pas dire que l'importance des deux, ce n'est pas la même chose. Parce qu'ils sont tous deux aussi importants. Sinon, on n'a pas la création, on n'a pas la vie. Les choses n'existent pas. On ne vient pas des reins d'un homme. On vient de l'utérus d'une femme. C'est clair. Si vous voulez me montrer quelqu'un qui vient des reins d'un homme, allez-y, montrez-moi quelqu'un. C'est illogique. On vient tous de l'utérus de la femme, donc il faut connaître que la déesse est aussi importante que Dieu. D'accord. On va faire un dernier dicton pour que vous apprivoisiez toute cette sagesse un peu ce soir et continuer de vous ravir et de vous épanouir dans cette sagesse de nos ancêtres, de nos aïeux. Ils nous ont laissé des diamants, des perles spirituel, pas seulement les monuments, mais les dictons qu'ils nous ont laissés. C'est quelque chose dans lequel on peut raconter des histoires à nos enfants, et nos enfants peuvent grandir, peuvent se cultiver, peuvent s'accroître spirituellement, seulement en écoutant ces dictons et en méditant là-dessus. Donc un dernier. Délivré de sa condition terrestre, l'ancêtre est pris en charge par le couple régénérateur. Le mâle le conduit au fond de la terre, dans les eaux matricielles de sa compagne. Il se replie comme un fœtus, se réduit comme un germe, atteignant la qualité d'eau, sémence de Dieu, essence des deux génies. Les deux génies sont très importants. Les deux génies sont trop importants. Il faut les deux pour avoir la vie. D'accord, je dois faire un dernier. C'est tellement captivant, ça me soulève et ça me fait vraiment que je me sente vraiment épanoui. Donc, je vais faire un dernier pour vous avant de débarquer de là et de vous laisser paisiblement méditer là-dessus pour votre Ramadan, pour le cycle de Heteru de Vénus. Toute la morale est fondée sur cette conception. Ce qui est bon, c'est ce qui accroît la force vitale. Ce qui est mauvais, c'est ce qui la diminue. Il y a des actes qu'il ne faut pas commettre parce qu'ils la diminuent, créant le désordre, détruisant tant l'ordre social qu'humain. Alors, il faut faire des choses qui vous accroient. Comme écouter la chaîne de Unblind sur YouTube, des choses qui vous accroient spirituellement, qui vous accroît ton point de vue, vos aïeux, qui vous font connaître vous-même et vos ancêtres. Je vous laisse sur cette sagesse divine. Et après ça, je vous donne un dernier. Un dernier.
Je vous donne ma parole, c'est le dernier. L'écriture est la photographie du savoir, mais elle n'est pas le savoir lui-même. Le savoir est une lumière qui est en l'homme. Il est l'héritage de tout ce que les ancêtres ont pu connaître et qu'ils nous ont transmis en germe. Tout comme le baobab est contenu en puissance dans sa graine. D'accord? Donc, vous voyez, on parle de la lumière interne, le savoir, la lumière interne, et ça nous est transmis de nos ancêtres. Les fichiers akashiques sont les fichiers dans lesquels sont établis toute la sagesse du monde qui a fait que le monde existe depuis la nuit des temps. Donc on parle de cette sagesse et en consultant les ancêtres, en savant les consulter, on a plus accès à cette sagesse ancestrale et les fichiers akashiques qui déterminent tout ce qui s'est passé dans le monde depuis la nuit des temps. Je vous laisse sur cette réflexion. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur la chaîne Djeliba de Unblind Tibin et du African Ancestral Manuscript. Continuez de nous regarder de jour en jour. De jour en jour, on va continuer d'évoquer vos mémoires ancestraux pour que vous puissiez reconnecter aux sources, à votre source africaine. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Peace and blessings. Je vous souhaite le meilleur pouvoir au peuple. Je vous souhaite d'utiliser votre imagination pour incuber une réalité joyeuse dans votre vie, pour connaître la joie et être heureux, parce qu'à la fin de la journée, être heureux, c'est interne. On peut cultiver la joie pour pouvoir toujours avoir une paix interne qu'on peut se ravir de n'importe dans quelles circonstances. Quand on a la paix, on peut aimer, être en paix sans avoir les choses externes à aimer. On peut être content, mais on peut aussi être heureux en ayant que dalle, en ayant seulement la paix. Parce que si on cultive la paix, on peut manifester la joie quand les choses partent, et la joie qu'on a quand les choses nous partent de notre vie, et la joie qu'on a pour pouvoir établir la paix si les choses ne sont pas avec nous qu'on désire. Donc, ayez la paix et la joie, et être heureux, c'est aller de la joie au plaisir, pardon, du plaisir jusqu'à la paix, plaisir, paix, paix jusqu'au plaisir, et pouvoir apprécier et enjoyer la paix. Ça, c'est quelque chose qui est clair et qui il faut concevoir. Est-ce que l'on peut comprendre que la paix est quelque chose qu'on peut être content avec, seulement avec la paix? Est-ce qu'on peut se ravir, rigoler, seulement parce qu'on a la paix dans notre vie? Ça, c'est la sagesse de nos ancêtres. Une fois encore, je vous conseille le livre Origine. C'est un très bon livre. Ça a de la sagesse et des dictons africains qui sont très profonds. Je souhaite une très bonne soirée. Peace and blessings. Have a blessed day. Ashe. Empower your spirit. Inakusha. Et je vous souhaite à plus tard et on va se parler très bientôt avec plus de sagesse sur la chaîne Djeliba. La chaîne Djeliba, Djeliba, Djeliba. Ashe.